Ah bah on a même salut les gars, ça va en pleine forme? Ça va Marcus? Ouais, ça va. Je ouais. suis avec les Yamakasi, carrément. Je n'ai pas peur de me mesurer à des athlètes de poids. Arrêtez de faire les cons derrière. Marcus, l'art du peu bon. Les Yamakasi, c'est l'art du déplacement de rue. C'est votre sport. C'est pas la même chose. Moi, c'est un sport de gros. Vous, c'est un sport d'athlète, carrément. Vous faites des trucs déments. On a vu des reportages un peu sur Game One. Vous avez peut-être vu l'interview. Le principe, c'est quoi en fait? C'est de sautiller. Ouais, de se déplacer dans un milieu environnant. Et de passer des obstacles qui peuvent se présenter en fait. Et d'avaler le béton avant qu'il nous avale. Avant qu'il nous avale. Avant qu'il nous avale. Donc l'idée c'est faire des acrobaties dans la rue, c'est super spectaculaire. Ça passe vraiment très très bien. Et derrière tout ça, il y a une vraie philosophie de la vie, presque d'arts martiaux. Mm-hmm. En tout cas de bon copinage et tout, ça se voit. Ouais. Et donc puisqu'on est entre copains, on va se marrer, on va se latter à Power Stone 2. On peut jouer à 4, donc on va faire des petits tournois. Et on va se latter, chacun a ses personnages favoris. Vous êtes assez fanat de jeux vidéo dans l'ensemble. Bon, calmez-vous derrière là. J'ai acheté le dernier Spider-Man. Ah ouais, bien, moi aussi. J'ai vraiment acheté avec mon argent, vraiment, j'ai toujours, c'est vrai. Et t'es loin alors, dans Spider-Man? Ouais, j'ai bientôt fini là. Ah, carrément. Ah ouais, je passe au moins une heure par soir, tous les soirs dessus. Et ça correspond presque à ce que vous faites dans la vraie vie, il a des mouvements déments quoi. À part la toile. À part la toile, ouais. Le reste, tu peux faire quoi. Si on t'achète un costume d'araignée, tu fais. Non, pas jusque-là. Ok. Ah, j'ai oublié de présenter les petits gars. Je vous dis leur prénom. Il y a Malik et il y a. Arrête. Il y a Charles, il y a Guilain, il y a Laurent et Chaud derrière. Je me mélange des fois un peu avec les prénoms, c'est pour ça qu'ils se moquent de moi. Ils ont la même tête. Vous allez nous laisser, les gars. Tête, mais c'est pas cher. Donc on va commencer par jouer à 4. Donc on va abandonner Chaud et Laurent pour Chaud et Laurent. Amusez-vous bien. Merci. Vous restez à côté, les gars. Vos micros sont branchés. Vous pouvez vous moquer de nous si vous avez envie. Non, on n'a pas le droit. Donc moi, je suis joueur 1. Je vais prendre Falcon. Tiens, voilà, je serai habillé en rouge. Comme ça, si vous me tapez, vous saurez où je suis. C'est que c'est le rouge. Malik Wong Tang, c'est son préféré. Chemise blanche, genre Jackie Chan. T'aimes bien? Ah ouais, vraiment. Ça va être un modèle pour vous, j'imagine, Jackie Chan. Ce que vous faites. Wow, non, elle est naze. Il est vieux. Il est digne des vieux. S'il plaît. Il est impressionnant quand même. C'est un bon, on l'admire beaucoup. Là, c'est vrai, je trouve qu'il y a des trucs, ça ressemble à ce qu'on a fait. Et c'est super impressionnant. Bon, Charles Guilain, là, on est plus. C'est qui a pris l'enfant là? Vous essayez de prendre tous les deux le même joueur. C'est qui a pris l'enfant? Alors décidez-vous. Attends. Mais non, qu'est-ce que tu fais là? Voilà, ne bouge plus. Don't move. Charles va à droite. Voilà, ça, voilà, voilà. Et choisis un gars, t'appuies sur A. Ouais. Voilà. C'est bon là. Putain, la prochaine ouais, cuisinier. Non, mais... Malik, tu me gênes là, merci. Ça y est, tout le monde y est? Ça y est. Bon, bah c'est bon, donc maintenant il reste plus qu'à choisir un niveau. Guilain essaye de te dépasser. Alors c'est qui le joueur 3? C'est Guilain. Guilain, choisis-nous un niveau. Choisis un niveau, pas celui-là, hein, pas celui-là. Celui-là, tiens, viens, celui-là. Ouais, c'est celui-là. Voilà, appuie sur. Là. Mais non, là, 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 arrête de bouger. Attends, attends, attends. Je l'aide un peu, voilà, parce que moi je suis... Il a des problèmes... Et on va se latter. Donc on va regarder, chacun va dire son nom quand il va voir son personnage, comme ça on va savoir, et ça permettra de se repérer un petit peu. Dac, le combat sera moins confus, encore c'est toujours le bordel dans ce jeu, mais c'est vrai qu'il y a plaisir. Alors, le rouge c'est moi. Est-ce que ça commence par moi, normalement? Oui. Oui, ça c'est moi, voilà. Marcus. Ça c'est moi. Voilà, Malik. Guilain, et là, c'est... Quel ressemblance. Guilain, il y a quelque chose dans le physique. Hein. Tiens, viens par là, Guilain. J'ai deux points à dire, justement. C'est parti, là. Alors, on peut faire des alliances de lâches. Ça va me taper. Parce que la philosophie... Ah, mais je suis jeune, toi, là, c'est ça que tu sais pas. Mais c'est qui me course avec son épée, là? Et hop, là, et un rugby, hein. Ok. Non, mais dans la vie, j'ai pas d'artage, mais là... T'as une petite barbe, ouais. Et il paraît que t'avais des dreadlocks il y a pas longtemps. Ouais, j'ai coupé. Voilà, tout coupé. C'est parce fini que... le reggae, ça y est. C'était chill. Ouais. C'est techno cette année, donc voilà, il faut s'y mettre. Non mais... Hé, hey, qu'est-ce qui m'a flatté avec son marteau là? Oh là là, je sais pas, c'est qui le ninja? Bon là ça suffit, hein. Moi je vais me fâcher. Charles, tu me tapes pas. Allez, je vais faire sortir le dragon là. C'est qui qui est en train de tabasser là? Oh la vache. Oh, il y a une explosion monstrueuse. Rien fait, Malik. Ouais, bah, chacun pour sa peau. Ah, faut partir. Ne restez pas là. Ça va tomber, tout va tomber. Attends, mais moi j'arrive pas à partir là. Ah, moi non plus. Attention, il y a une grosse boule comme dans Indiana Jones, là il faut courir. Attention, le temple est dépéril. Attention. Il peut taper la boule.
J'ai pas le temps. Attention, vas-y. Donc on peut continuer à se mater pendant ce temps-là. Si j'arrive à trouver la touche de saut, ça me fait extrêmement plaisir. C'est peut-être un autre jeu. C'est la touche A. Ah, allez, je t'aide. Ah, merci, merci, Charles. Sauf que ça marche pas chez moi, c'est horrible. Appuie sur tous les boutons. Je j'essaye. Oh merde, je suis tombé. Il m'a attrapé. Oh. Il m'a attrapé, Guylain, avec son cuisinier là. Je suis où là? Donc on voit ces personnages qui bondissent dans la vie. Vous, vous faites c'est ça, quoi là, le piment ça fait. Regarde, il y a un tic-tac. Je ne sais pas. Ça te fait courir plus vite peut-être. Ouais, bah. Et ça ravage les slips en général. Le piment, c'est ça. Alors on va changer d'endroit. Donc on va se latter un petit peu. Et je vais taper l'enfant. Allez, quel meilleur gagne? Bah ça va pas être moi, donc comme d'hab. Ah, j'ai réussi à trouver un sabre. Le cuisinier est fini là. J'essaye de le découper en morceaux, mais il n'y a pas grand chose à faire. Putain, il y a plus de. Oh, le ninja. Il est chaud, le ninja, il a un gros truc. Oh, c'est quoi ce truc-là? Si le décor se met contre nous, d'habitude c'est vous qui utilisez le décor, là c'est un peu. Bon, là je suis passé, là j'arrive. Bon, moi je suis très énervé aussi. Ouais. Voilà, je fais mon super truc de la mort qui tue. Regardez, j'avais les 3 diamants. Je vois partout et tout. Dis. Ah! Parce que bon, dans attendez, Power Stone, là. J'ai laté quelqu'un là, je me rappelle plus que c'était. Ah, désolé. Dans Power Stone, faut choper 3 diamants pour pouvoir faire des super trucs après. Et là j'avais les 3 tout à l'heure. Ah bah là je vais attraper les 3 là. Tu m'as dit que t'as une Dreamcast chez toi en fait. Ouais, c'est ça que... Regarde, boule universelle. Ah! Digidi. Boule universelle. Non, t'as vu, c'est génial. C'est le terme technique. Et bien il reste plus que. Les gars, je crois qu'il est mort d'écran. Bah je crois que t'es mort. Quelqu'un a gagné. Alors qui? Je crois que c'est moi. C'est déjà fini? Bah oui, c'est moi. Je sais pas. Ah, c'est Malik! Victory! You win! Et c'est changé entre temps. T'as arraché ta chemise. Ah, grave. C'est terrible. Donc on va changer de personnage. Bah t'es trop bon, donc t'es obligé de partir, Malik. T'as vu, je me taille. Je me taille parce que je suis bon, tellement bon. Donc tu vas revenir comme t'as gagné. Ouais. Donc Chaud et Laurent, bonne chance hein, les gars. Eh, ça fait 3 fois que je suis en train de vous latter. Hein. C'est vrai que on a fait deux enregistrements avant qu'on ratait, pour tout vous dire. Et voilà, du coup. Il y a du tabassage en direct. C'est Malik qui avait gagné. Est-ce que je peux dire que j'avais gagné une fois? Est-ce que vous pouvez confirmer? Non, c'est mort. Bon, là, avant de lâcher. Non. Ouais, vous aviez une philosophie d'honnêteté, voilà. C'est bon, Laurent. Non. Vas-y, ça me jamais les biens, ton bonne Koubio, Koubio, ça y est, tout le monde a son gars. Attends, 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 je... Moi j'ai Captain Igloo, je sais pas quoi. t'es le joueur 3, Laurent, c'est ça? Ouais, ah non, pas lui. Non, t'es pas enfant. Donc pas Pet, pas Jack, Rouge peut-être, Bouda. Non, ouais, si, l'Indien, ouais, donne-moi l'Indien. Ah bah non, tu l'as déjà. Lui, voilà, Gunrock. C'est bon. Voilà, Gunrock, c'est parti. Alors, le joueur 3, c'est Laurent. Tu choisis un niveau? Voilà. Ah, on vient de le prendre, bon, c'est pas grave. On va changer. Dommage. Non, on va garder le même, en fait. Okay, donc voilà, donc vous êtes des grands sportifs quand même, ça m'impressionne moi ce que vous arrivez à faire. On a fait de la danse, des autodidactes aussi. La console. Alors allons-y, c'est parti, on va se relater. Marcus, là, c'est qui le cowboy? Ça c'est. Ouais. C'est chaud, là, ouais. C'est Laurent. Et Charles. Et Charles qui est resté parce qu'il a le siège qui bouge pas. Voilà. Ça, c'est pas parce qu'il a gagné, faut le dire. C'est de la triche. Voilà. Oh là, bien, putain, comment je t'ai jeté, trop marrant. Là, il est super. Oh, c'est super. Putain, mais merde. Mince. Tiens, prends la barre de fer. Oh là là, mais attends, même le décor se... Mais attends... Le décor est un adversaire décor... aussi. Ouais. Mais dans la vraie vie, comment vous faites pour utiliser les décors? Le décor, il est moins violent que ça. Il t'attaque pas. Vous êtes rarement attaqué par une cage d'escalier dans la vraie vie, c'est pas... Regarde, je suis en train de tuer tout le monde. Putain, y'en a, elle a sorti sa mobilette. J'y vois plus rien, tellement ça explose de partout, mais... Voilà. Alors ça, c'est bien Laurent, un rocher. Bon, un rocher pour taper les gens. Oh là là, ça chauffe pas mal. Attention, le sol va s'écrouler, il faut s'en aller les gars. Ah, ça, faut s'en aller. L'Indien est sénère sur la droite. Ah, Falcon, il est tombé. Oh là, alors attention, là on est poursuivi encore par la grosse boule de Indiana Jones. J'ai enfin trouvé ma touche de saut. Ah oui, trois prises, oui, ça y est. Je vais pouvoir me sauver. Il est où l'Indien là-dedans là? Je sais pas, mais on peut continuer à se frapper tout en courant. C'est ça qui est pas mal. Ça c'est cool. L'Indien, tu vas te faire tabasser. Non, parce que je saute. Donc vous frappez pas dans la vie, vous comptez de courir et de sauter, non. Vous êtes vraiment super pacifique et amical. On a un esprit sportif très développé. C'est vrai que ça fait plaisir à voir chez vous, ça, je trouve. Ouais, à part quand vous jetez tous sur moi dans Power Stone, vous êtes fair play, ouais. C'est pas la réalité. Ce n'est plus la réalité, là. C'est où, c'est à gauche? Donc vous défoulez, comme vous êtes gentil dans la vraie vie, vous êtes un chaud. Bravo les gars. Il y a du tabattage. Voilà, donc... Pas de battage. Ça doit être un... Chaud, t'as une contraction de Tabataka. Chaud, bon les gars. Tabata sur console. Tabata grave. Tu sais, ça vous dirait pas d'être les vedettes d'un jeu? Parce qu'il y aura des trucs à faire avec ce que vous faites, nous, quand même. Ah, on y cogite, on y cogite. C'est vrai, vous y pensez? C'est une super idée, hein.
Ouais, on a même fait la Tabata. Pour qu'elle participe avec vous. Je crois que tu ressembles à Tabata Cash. Ok, c'est parti. Okay. Qui est-ce qui m'a mal parlé là? Oh là là, oh, c'est qui le Laurent, c'est Laurent. C'est Laurent, c'est Laurent. C'est quoi ça? Non, justement, c'est du Vespa Rouge. Laurent, il s'est énervé là. Putain, il y a du tabatage. Il balance des rochers. Mais les gars, il y a du tabatage. Il y a quelqu'un qui est mort là. Du sec. Ouais, là, c'est dur. Ah ouais, c'est dur. Bah, je crois que tu es mort. Donc, soit t'as une PlayStation, toi. Moi, j'ai une PlayStation, une Dreamcast et une Nintendo 64. Hein. Gosse de riche. Ouais, les a plus tard. C'est tombé du camion. Non, et laquelle tu préfères? Ça va pas, là. C'est abusé, il y a carrément mon âme. Oh non, c'est quoi ça? Et c'est qui le gars là? Regarde les gars, t'as sorti sa moto. La roulette russe là. Regarde, je suis en train de tirer partout. Et tu joues avec laquelle tu joues le plus? La Nintendo, la PlayStation, la Dreamcast? Aucune des trois. La Dream, la Dream. T'as pas le temps? T'es tout le temps dehors en train de sautiller? Ouais. Je sautille de temps en temps. Malik, il est fan de la Dream. J'adore. Regarde les graphismes. Bah, c'est vrai, rien c'est à voir avec la PlayStation. Bah, on verra la PlayStation 2 ce que ça donne. On voit pas les coups de sel sur la PlayStation, tu vois les carrés. Mais là, on comprend même plus. Qu'ils ont placé derrière. Ah, sudden death, c'est-à-dire qu'il va falloir aller très vite. Je sais pas qui reste. Faut que quelqu'un se fasse tabasser la tête. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Il a trouvé. Mort subite. Ah, fini. Alors KO, on sait qui a gagné. Marcus qui a gagné par mort subite. Non, c'est les deux en fait. Oh, deux, égalité. Ouais. C'était qui? Voilà. Alors il y a Laurent. C'est Laurent? Et Laurent, moi. Maintenant, qu'est-ce que j'ai la tête? Alors c'est super embêtant parce que du coup, on peut pas savoir qui a gagné. Non, mais vas-y, je te laisse. À moins qu'on fasse un truc entre Laurent et moi. Non, vas-y, je te laisse entraîner un petit peu avec nous. Bah, Laurent, t'as peur de la victoire. Qu'est-ce qui se passe? Non, je te laisse t'entraîner. D'accord, on fera un petit match tous les deux alors pour régler ça tout à l'heure. Et puis j'ouvrirai les yeux quand je vais jouer avec toi. Bon, ça va un petit peu. Bon, voilà, bon, deuxième match. Reprenons les choses comme elles étaient. Alors, on va changer de niveau ce coup-ci. On va pas reprendre le même. On va essayer. Il y a quelqu'un qui a bloqué sur la console. Rien maîtrisé du tout. Il y a quelque chose qui bouge. Il y en a un qui appuie sur un truc. La play, non, la console elle bug. Non, mais attends. C'est peut-être une des cartouches. Le numéro 3 là qui est sur Rumble. Le numéro 3, c'est Guilin. Guilin, qu'est-ce que tu fais encore? Voilà. Oh là, et ben voilà, on a appuyé sur un truc, on sait pas ce que ça va donner. C'est pas grave. Mais voilà, il a choisi un niveau qui on est pas tout joli. Blanc là. Hein. C'est un menu là. C'est toi. Ça c'est moi, le cowboy. C'est moi, le cowboy. D'accord. Je voulais pas le cowboy, mais c'est Charles. Charles, t'es resté Charles. Voilà. Non, c'est l'Indien Charles. Ouais. D'accord. Quoi, d'accord. J'ai une balèze. C'est bien ça. Donc voilà, Guilin, gros balèze. Tous les jours, regardez comment les Yamatas ils jouent. Bah non, je suis très mal. Donc ah ouais, on voulait faire un avertissement parce que ce que vous faites c'est super spectaculaire et hallucinant, mais on voulait prévenir les petits gars qu'il fallait pas qu'ils essayent de faire pareil comme ça. Il y a beaucoup d'années d'entraînement derrière. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Ouais, depuis 10 ans déjà quand même. Ah la vache, vous avez commencé bébé alors. Ouais. Et vous entraînez combien de temps par jour? Comment ça se passe en fait? Il n'y a pas vraiment d'heure, mais ça se fait pas comme ça en sortant dans la rue quoi. Non. D'accord. Ah non, c'est clair. De toute façon, vous avez monté une association, en fait. On peut aller faire les amis avec vous. On n'est plus en association, on a une société maintenant. Carrément. Des sociétés, il y a une start-up. Non. Ce n'est pas Internet. Et donc, on peut aller s'entraîner avec vous, vous donner des cours, comment ça se passe? Non. Pas encore. Pas pour l'instant. Vous n'avez pas le temps, en fait, parce que vous faites plein de trucs, des pubs, du ciné, des spectacles. Oh. Vous avez fait Notre-Dame de Paris. Ouais. Entre autres, ouais. Oui, ça s'est très bien passé. Est-ce que vous avez rencontré Patrick Fiori? Comment? Patrick Fiori, il jouait dedans, non? Ouais. Je crois. Hein. Vous avez échappé ou vous l'avez vraiment rencontré? Non, tous les soirs. Ah, tous les soirs, c'est tous pas les pire soirs. Que Lara Fabian, mais j'aurais du mal, moi, quand même. Hein. Tous les soirs, Patrick Fiori, 3h. Bah, Patrick, si tu nous regardes, salut. Patrick, hein. Pas. Bon, moi, avec la moto, là, je vais aller. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Rappelle-toi de la banane à Montréal. Qui est tombé sur scène. Là, tu viens de balancer un truc. Charles. Il a balancé un dossier, là. Non, mais il comprendra. Il s'est passé des choses entre Patrick Fiori et une banane à Montréal. Avec Charles, on vous en dira pas plus. Ils ont utilisé des instruments. Non, je crois qu'on t'explique. À tous les gens qui matent l'émission, Charles rigole. Hein. Non, mais il y a vraiment une banane à morale. Hein. Ah, peut-être même plusieurs. Donc, bon, voilà, vous préférez garder le secret sur cette histoire, je comprends. En même temps.
Mais bon. Pas vous empêcher de perdre. Laisse-moi monter sur le bateau là. Mais pas du tout, non. Reste en bas sur l'iceberg là. Non mais là, Titanic. Je ne sais même pas qu'est-ce que je suis en train de faire là. Eh bien, si t'es l'Indien, tu viens de me jeter une espèce de bombe. Voilà. Ah, ce que ah désolé. Non. Là, t'es tout en haut, je sais pas. Tu t'échappes. Ouais, je suis tout seul. Allez, ça c'est fait là. Viens, descends. Mais Mali, tu l'arrêtes, descends. Ah, je suis tombé. Mali, tu fais rien qu'à se transformer. Bah ouais, c'est attraper les rubis. Ah oui, c'est vrai que c'est le but du jeu quand même de Power Stone. Là, nous, on n'applique pas trop les choses, mais. D'où le nom Power Stone. Oui, oh joli. C'est moi. C'est toi. Bah attends, je suis content, j'ai l'impression d'être souvent dans le jeu depuis tout à l'heure. Bon, moi, je fais un truc qui énerve tout le monde. Là, j'ai un espèce de gros balai. Attends, je vais tous vous taper, vous allez voir. Ah, allez, hop, il y en a un qui est mort là. Bon, là, c'est moi, c'est moi. C'est qui le deuxième? Quelqu'un en train de me faire un truc redoutable. C'est moi. Je ne survivrai pas au deuxième match, visiblement. Non, non, pas encore. Bah, c'est qui le premier joueur là qui est mort? Ah, bah, Marcus, il a gagné en perdant. J'ai... Ouais. Mais t'as perdu. Ah, moi, j'ai perdu. T'es obligé de sortir, quoi, pas gagné. Bon, bah, vous animez sans moi, alors. Allez. Je vais me cacher, je vais me mettre bon, ça y est, voilà. C'est les Yamakasi qui contrôlent l'émission maintenant. Animateur. Bon alors, aujourd'hui... Le contrôle de l'émission Game One, Rebel One. Ah, mais non, ça s'appelle Yamakasi, ça s'appelle Yamakasi. One. Bon, c'est qui qui t'attend là? Ouais, j'ai encore gagné. Malik, encore. Gardez. Incroyable. Incroyable. Incredible. Il est super fort. Il a changé de personnage. C'est qui là, le cowboy? C'est Malik? Bah oui, attends. T'as mal. Hey, Malik, t'es con. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je ressors? Est-ce qu'on fait. On va faire une bagarre entre Laurent et Malik alors, du coup. C'est voilà. Logique. Ça va t'attendre. Donc, nous, on va juste les encourager. On va prendre juste deux joueurs. Bah, fou là. Je vais le laisser gagner. Alors, on vient, Laurent. Parce qu'il est chaud aussi, viens derrière. On va se débrouiller. Quoi? Je vais te laisser gagner parce que Miskin t'a. Alors, prenez tous les deux une manette. Qui ça? Bah, laissez-leur une manette ou deux. Ouais, laissez-leur peut-être la place. Ah ouais. Voilà. Mets-toi debout. Merci, Kabila. Ah, Charles, ça y est, ça va. Enfin, depuis tout à l'heure, il est derrière moi, Charles. C'est pénible. Hein. Merci. Donc, alors, attends, parce qu'il faut que nous, on joue pas. Alors, je sais pas comment on va faire ça. Mais si, c'est pas grave. Computer, no entry, voilà. C'est qui l'autre? C'est vous les deux. Non, mais il faut du monde. Donc, si on faut pas qu'on joue, nous, tous les deux. Si, jouer. Donc, mets-toi, voilà. On sait que c'est nous les champions, donc on va vous laisser jouer. Non, allez-y, tous les deux, là. Choisissez chacun un gars. Comment on fait pour choisir? On saura qui est le maître du monde. Voilà. Laurent, t'as gagné, tu sais pas comment on choisit. C'est incroyable. C'était un coup de chance. Bah ouais. Donc Malik, on a one temps comme d'hab. Gunrock, là, je sais pas quoi. Voilà. Moi, ouais, j'ai tant là. Allez, c'est parti, choisissez un niveau. Ah, mais attends, mais Malik, il a dormi avec ses jeux. Essayez de prendre ce niveau-là. C'est quoi, j'ai Poston, si tu peux. Voilà. Ah, ça va. On n'a pas eu celui-là encore. Donc, mesdames, messieurs, le match au sommet entre les deux meilleurs des Yamakasi. Ça va. Laurent et Malik. Ouais, il y a du tabac. Je parierais assez pour Malik parce qu'il a la console à la maison et qu'il est quand même chaud. Non, mais je vais le laisser gagner parce que... Alors, attention. C'est très chevaleresque comme esprit chez les Yamakasi. Donc, non, parce que lui, d'où ça vient le mot Yamakasi, au fait? Bah, c'est du Zaïrois. Zaïrois. Mais du dialecte. Lingala. Tu veux dire exprès. Esprit fort, ouais, esprit là, fort, c'est représentatif. Encore fort, c'est en Zaïrois. Encore fort, tout ce truc. Encore fort, non, en fait, c'est l'esprit, quoi. C'est l'esprit. Et c'est le mélange des Yamakasi, c'est la signification, c'est esprit fort, homme fort, corps fort, en Zaïrois. Répète en répépique. Et voilà. Regarde, c'est pas, il a le bateau. Comme ça sonne fort, en Zaïrois. Bah on l'a choisi, hein. Eh hey, mais faut vous... Donc ça ne vient pas de Yamakasi une cheville en sautant du balcon d'un grand grain. Non, c'est pas du tout, ça. Non. Vous devez me faire mal quand même des fois, non? Non. Vous êtes cassé des trucs ou pas? Ça doit arriver quand même. Eh mais... Oh, il ment, il ment. De temps en temps. De temps en temps, voilà. Mais comme vous êtes bien chauffé durant. Ah mais toi tu triches, toi, tu utilises... C'est quoi ces boules chelou? Bah alors Laurent, ça donne quoi, là? Il te maîtrise ou pas? Je dis encore. En train de lui tabasser sa caisse. Attends, ah, mais Laurent, il récupère les armes. Bah oui. En fait, bonjour à tous les fans de Yamakasi. Regarde la mafia là. Dieu ne m'a pas. Alors, vous appréciez beaucoup. Avec Marcus, qui s'est fait lyncher depuis tout à l'heure. Ah oui, moi, ça y est. Mais tu sais, j'ai une sale réputation de toute façon. C'est un bon joueur, donc ça me dérange pas. Oh là là, il a les trois diamants bientôt, Malik. Et il va s'énerver. Tu devrais l'empêcher, Laurent, de choper le dernier diamant. Ah merde, je suis tombé. C'est toi qui l'arme. Oh là là. Ça devait faire mal. Donc après ça, on saura enfin qui est maître du monde des Yamakasi. Qui est le plus fort. Putain, merde. Vous faites des défis entre vous, non? Savoir qui est-ce qui saute le plus haut, tout ça? Ou c'est vraiment... Non, pas comme... non, c'est pas comme ça, ça marche pas comme ça.
C'est l'esprit d'équipe vraiment. Ouais, c'est pour aller plus loin, pour, là, c'est transformé. Pour progresser, pas pour. Pourquoi t'envoies pas les pierres là, pour voilà. Savoir qui est le meilleur. Ah, tu sais que t'as bien les rochers pour la progression. Quoi. Et c'est faire des trucs ensemble entre potes. On aime bien potes aussi. Ouais. Oh, mais attends, mais bon faut combattre le monstre ensemble. Quel monstre? Regarde, le monstre très très méchant. Ah, ouais, ok. Bon, t'as plus de rubis là, bah, viens cramer maintenant. Ça suffit. On a oublié de vous dire que, en fait, Manny qui fait les voix de South Park. Alors, le rôle de Pascal Ladal. Ouais, c'est moi Pascal Ladal. Il y a Guilin et Charles qui font très bien Fort Boyard aussi. C'est le vieux. Faites attention, mes enfants. Du déplacement. Il faut pas sauter comme ça. Car c'est dangereux. Parce qu'on a 10 ans de pratique. Le mec, il tabasse avec un cri là. C'est quoi ça? Ça fait vraiment Perforas. Il n'y a pas de but. Perforas en version black. Au Zaïre. Merci, Lazy. Il y en a un qui a les diamants là, Laurent. Ah oui, regarde, il lance des rochers. Ah bah oui, il est tout bleu comme un chien. Laurent, son problème, il s'est il a gagné. Comme on a dit, hein. De toute façon, tu as gagné. Vous pouvez revenir peut-être. Donc vous allez vous rebattre. On va se battre pour de vrai là. Bien. Bon. Donc on va refaire. Ils sont en train de se battre pour de vrai dans les coulisses. C'est incroyable. C'est moi qui tiens tout là. Donc Malik, grosse déception quand même. Ça va. Salut Malik. Direct live à la télé. C'est juste un peu la honte par rapport à ce que tu nous habitues à des trucs super. La chouma là. Incroyable. Je vais garder Falcon comme ça vous pourrez me taper dessus. Ah, vous passez quel joueur moi numéro 3. C'est quoi? Vous savez quoi? Je vais laisser gagner parce que. Attends, moi j'ai pas choisi. Vas-y, choisis ton bonhomme. Revanche-moi, Tu te venges, je vais regarder celui-là. Il y en a un qu'on a pas fait encore. Ok, c'est parti. Donc attention, un nouveau match, on va voir ce que ça va donner. Et vous jouez entre vous à des jeux vidéo, non? Vous avez un truc préféré? Ouais. Genre Mario Kart, ou je sais pas. Que... Mario Kart. T'as tout, toi. Ça existe plus, ça, non? Non, regarde, c'est 64. Ah. Ça, c'est Charles. Ça, c'est Ciao le balèze. Charles, t'as le gros? Bah ouais, j'ai appris la suite de Laurent. D'accord. Moi, j'ai toujours des problèmes. Je me vois pas. Je vais venger Malik. Non, je vois. Attendez, je suis où, moi? Alors, attends, arrêtez de taper un peu. Tu dois être le ninja vert. Je pense. C'est moi le ninja vert. Ah, non. Donc, tu as celui qui avait Malik, donc un mec avec la chemise blanche. Voilà. Oh là là, mais il est super énervé, le bleu, là. Ah oui, je suis énervé, là. Encore lui, tu vois. En fait, il faut prendre le bleu pour gagner. Je viens de comprendre un truc, là. C'est dur. Non, c'est parce que lui, il donne des coups, même quand il n'a pas de diamant, il fait mal. Oh, j'ai trouvé un flingue. Il gueule, il fait mal. Tu m'as tué avec des engueulants. Est-ce que quelqu'un veut tâter de mon maillet? J'ai un énorme maillet. On va en profiter un petit peu. Charles, il se met toujours en boule. Là. Toujours nerveux, le Charles. Hein. Attention, il faut sauver, les gars. Attention. Charles, il est resté en haut comme un idiot. Il fallait rester en haut. Il fallait essayer de monter. Non, mais il a raison. Bah oui, j'avais raison. Il faut suivre. Ah, il est fort, le Charles. Il n'y a pas de but. Là, mais il est en train de me venger. Là, je suis chargé d'une mission. Vengez-moi. Et je dois m'y tenir. Et rien de me faire reculer. Elle me dirait que c'est... Oh, il y en a un qui a été assommé. Je sais pas qui c'était, le jaune. Il a été écrabouillé par la boule. Moi, je me sauve là. Je ne sais même pas le discuter. Dis-moi, ce serait pas toi qui a disparu. Peut-être là, t'es un peu le petit gros, là, voilà. Non. Juste pour le principe. Ah, ok, Marcus. Charles, c'était toi, Charles. Quel hasard. Attention, faut sortir dans le fond de l'écran, là. Faut pas qu'on est tout droit. Non. Qui c'est qui est tombé? C'est toi. Moi encore. Raisonnable, Charles. Bah, toujours. C'est bien, comme dirait Manny. C'est bien. Allez, ça continue la bagarre. Venge-moi, tu perds. Je ne sais guère ce qui t'arrivera. J'arrive pas à choper des trucs. Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà. Puis sur le bouton. Je vais me faire charcuter. Mais lequel? Moi, j'ai une manette, il n'y a pas des boutons, il n'y a pas les couleurs des boutons. Ah, ça y est. C'est qui vient de mourir là? Je sais pas, mais il reste plus que Charles et moi, donc il va falloir que je m'énerve. C'est impossible. Eh ben écoute. Je suis en train de voler, je sais pas pourquoi. Mais Charles, il faut le battre là. Hein. Ouais, mais on est tous morts. Vas-y, t'as pleu, t'as pleu. Représente. Représente là. Voilà. Allez là. Allez, on va manger Manny. Plus gros que lui, alors vas-y. Mange-moi, regarde. Charles, parviendra-t-il à manger Malik? Charles, en regardant level 1. Prends les rubis. Non, prends pas les rubis. N'écoute pas. Prends les rubis, ça. Yeah. Oh non. Allez, non. Allez, non.
tu n'arrives même pas à te taper. Regarde, j'ai pas mal. Ouais. Attends, faudrait les casser ton arme. Attends, moi aussi, je peux prendre les rubis si je veux. Vas-y, vite, vite. Attends. Et voilà, et maintenant, je suis très énervé. Oh là là, et voilà. Non. Attends. Là, j'ai trouvé un truc monstrueux. Tu peux t'arrêter. Voilà, ça y est. Il est pas mort, encore. Ça se fait pas, Marcus, franchement. Ah, je suis désolé, mais voilà. Allez, vas-y, Attends. Oh, allez, tue-le, là. Ouais. Oh, belle danse de victoire. Ah, je suis super fair share. Ah, bon, voilà. Trucs-là. Bon, pas mal. C'était beau, c'est pas bien, c'est petit. Alors, bon, voilà, bon, on arrive à la fin. Si Dean Delmas chevalier, chevalier de la table 4. Bien, revenez les gars, parce qu'on a fini en fait, ça y est. Donc on va juste prendre, on va prendre des types pour finir, pour se mettre dans une bagarre, mais on a fini la table 1. Ça passe vite avec vous, c'est trop bien. Voilà, chacun prend un gars, n'importe qui. On va peut-être pas se battre. Ça y est, tout le monde a son gars. Ouais, ça y est. Attends, c'est qui la plus hésitante? Il y a quelqu'un qui essaie de me piquer mon. Non, mon bonhomme. Ah, bon. Il y a le joueur 2 qui est sur le même endroit que moi. Ouais, je sais, attends. Ouais, je vais prendre. Malik, mais gros. Ça y est, tout le monde? Ouais. Attends, celui qui t'appelle le gitan, c'est lui qui t'a niqué. Il y a le jaune là, il a pris. T'es où là? T'es où? Ouais, c'est moi. Alors remonte. Eh, mais vous avez changé tous les numéros là? Ouais, c'est un peu. On va arrêter. Bon, je lance. Attends, vous avez plein d'enfants. De toute façon, c'est juste pour faire joli, pour se dire au revoir et pour vous remercier d'être venu parce que c'était vraiment génial. Merci beaucoup. Donc voilà, si vous connaissiez pas les Yamakasi, ça va vous donner envie. C'est des bons petits gars avec un super esprit, je trouve. On était les Yamakasi sur level 1. Merci. Merci à tous les gens qui nous aiment. Merci. Bon, ben nous vous remercions d'être venus, les gars. Et puis, ben nous, on se retrouve pour un prochain level 1. Voilà, c'est les Yamakasi. Ciao. Ciao. Yes!